Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 38e épisode sur Octopath Travelers numéro 2. On est rendu dans le donjon de l'ordre sacré et donc là on va se balader, ramasser les coffres et voir si on va arriver à un boss. En tout cas c'est parti, on va avec double lame, c'est bon, on les one shot. Ça permet de farmer vite les combats. Alors, amulette luisante. Diminue fortement les dégâts subis de lumière. Donc ça veut dire que le boss va faire des attaques de lumière. C'est aussi simple que ça. Ouh, on a des résistants. L'heure du chat sur les genoux. Hop, niveau 40 pour Agnea. Ah, j'ai dû prendre l'attaque avec la lance. Bon, c'était pas sensible à la lumière, hein. Alors, il y a un coffre de cachet ici, mais oui! Et pour des feuilles. Là, l'argent, c'est plus vraiment un problème. Ah, quoique. Ça peut coûter cher. Utiliser alcoolique du marchand. Pas sympa ça. C'est bien si je joue en dernier. Apporte plus d'XP ça. Ah, ça y est, on arrive au boss. En tout cas, s'il y a besoin de farmer, on Ça c'est sur une seule personne ça. Ouais. Ah, on pourrait peut-être faire passer Temenos au niveau 38. Petit niveau. まだまだだな。
Et voilà, c'était pas compliqué.金書の数々。これだけの事実を歴史から消し去り、制動機関は何をしようとしている。ここまで嗅ぎつけたか、教皇の犬め。クリックは知りすぎた。 愚かにも貴様に加担し、知恵をつけたことで夜の書まで辿り着いてしまった。故に消されたのだ。あのお方、直々の手でな。お前は誰だ。 Et Eloy. Anat. Cardinal Kikancho. Ah non. Naze. Kuriku yo. Kisama wa yuno nabuka. Danga. Shosho. 有能すぎた。神に背いた罰を受けろ。黒幕はカルディナか。 してはおけない。助手と同じように。クリックはなかなか手ごわかったぞ。カルディナ様が手を下すほどだったのだからな。だが愚かだった。正義感に駆られ神に背くなど。神罰だよ、これは。 カルディナはどこだ。らしくないな。目が血走っているぞ。<笑>悔しいか。可愛い女子を殺す。 カルディナ様は使命のためここを立った。貴様が。もういい、口を閉じろ。カルディナ様から仰せつかっているぞ。犬をしつけておけ、とな。口を閉じろ、カラス。Allez, c'est parti. Quoi? D'accord. Pas de faiblesse élémentaire apparemment.
Ouais, 900 points de vie, ça sera pas génial. いきますか。傷を癒やしたのすまん。テメロス。プランを考えねば。あ。さ。オッケー。グッド。危ねえ。任されたぞ。 さて、炎山終了杯を求めよう。うん、アタック。炎、燃えろ。いくよ。ええ。ああ。バンジーでソンペイ、ソンペイユ。 Donc, malheureusement, on fait juste une attaque ordinaire. Hop là. Ok, donc elle renvoie la magie maintenant. Bon, ça va pas servir à... Décidément, je vais me mettre tousser pour rien. Ok, défense au poison. Ok, alors là je pourrais pas la briser. Ah ok, elle met poison. Et en plus la lance maintenant n'est plus un point faible. De la magie. Alors, il est déjà empoisonné, donc... ouais, on va économiser là. Ouf, ça sent dégueulasse quand même. Beaucoup. On a-tu quelque chose qui enlève le poison pour tout le monde? Non, c'est pas toujours la petite
d'habitude, pas pour les objets. 5 tours de poison, 9 tours pour Ikari. Oh. Ah oui, il fait juste la foudre. Ça va prendre du soin. Alors, je tue un soin pour tout le monde. Alors l'épée ça l'avait pas touché, la lance non plus, donc il reste la hache. Je fais de la boue. Non. Ok, la slash non plus. Oh, pas sympa ça. Rendez pété. Ok, il peut se faire ses grosses attaques. Oh, ok. Ça, ça touche, mais ça renvoie quand même du poison. Ouais. Y'a pas un truc pour enlever son bouclier? Ouh, 15 points de vie qui restent. Ok, ça ne s'enlève pas, c'est pas bon. Non, il devrait revivre. Ouais, il joue pas. 5 attaques. Puis il joue en premier. Oh, je suis obligé de subir son attaque, donc on va subir tout le monde. Ouais, c'est vraiment ce passage-là, vraiment chiant, le poison. Là. Ça enlève pas le poison. Bon, allez. お前の主は、あの書を使い夜とやらを呼ぼうとしている。そうだな。答えは地獄へ落ちろだ。 地獄へ落ちる前に罪をあがなえ。クリックウェルズリー。
神の使徒の魂は永久に不滅。その剣を収め、安らかに眠らんこと。聖堂騎士か。新人だがな。成果を貶めるボートめ、悔い改めろ。さ、着きましたよ、子羊くん。恥ずかしい呼び方はやめてください。僕の名前はクリックです。覚えてくださいよ。テメロさん、後ろに下がってください。僕がお守りします。心強いですが、守られてばかりもいられません。あなたは神さえ信じない方です。きっと世の中すべてを疑ってかかるんでしょうね。ずるいですよ、クリック君。私に歌詞を作ったまま去るなんて。でも借りは返しますよ、必ず。落日の遺跡にあった式の主はカルディナに違いない。だとすれば彼女の行き先は七死の里だ。カルディナは夜の力なるものを解き放とうとしている。儀式を止めなければ。クリック君、見ていてください。君の分まで私が教会の暗部を暴き、カルディナを止めてみせます。Déménos découvrit enfin la vérité. Une terrible conspiration fut alors dévoilée au grand jour. Caldina, la capitaine de l'ordre sacré, était celle qui avait ordonné la série de meurtres. La lumière doit être faite sur le livre de la nuit, élément clé de cette histoire, avec l'aide de la flamme sacrée. Déménos le prêtre, chapitre 3, courage. Pardon. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Donc, donjon et combat de boss. Fin du chapitre 3, Ouragrel de Téménos. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Le carnet de Caldina. Voilà, on a récupéré. Donc, est-ce que ça nous ouvre d'autres portes? Alors, il est où le prochain chapitre? Ici, le village sans nom. Et pour y aller. Ah, bah on peut. Non, pour pas se téléporter, il faut un bateau. Je pense qu'il faut un bateau pour y aller. Le 45.
Alors, l'histoire croisée, on va peut-être pouvoir essayer de la faire, ou je la ferai de mon côté, je sais pas si c'est très important, j'aime qu'il n'y ait pas vraiment de combat dans les histoires croisées. Donc on a 35 ici avec Partitio, je pense que ça va être ça qu'on va faire la prochaine fois, ou alors on fait le chapitre 4 de Hikari, on verra. Bon, avec le niveau que j'ai avec Ikari, ça devrait aller. Niveau 39, puis même tout le monde dans l'équipe est niveau 38, 39 et plus. Donc, on pourrait y aller avec ça. Donc, c'est parfait. On aura notre objectif pour le prochain épisode. Alors, j'espère que celui-ci, il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à tousser. Non, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire. Et à partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, je te remercie grandement. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye.